Le Premier ministre qui peut converse avec le docteur Farhad Omir ainsi que Zubair Jumaï et le docteur Kailesh Jagatpal qui est présent ici. Le Premier ministre. Voilà, nous sommes obtenir une déclaration avec le Premier ministre s'il est possible. Vous voulez aussi converser avec Namin Ramgoulam, PM. Monsieur le Premier ministre, plus de 10 000 personnes, un petit mot, ou visite de Namin Ramgoulam. Allez, allez. Voilà. Pas de déclaration du Premier ministre. Peut-être nous essayons approche avec Zubair Jumaï, le docteur Zubair Jumaï, qui peut dire nous, le docteur Farhad Omir, ensemble, pour donner une déclaration. Docteur Farhad Omir, ou en direct sur la page defimedia.info, le Premier ministre fait approche avec vous, l'ancien Premier ministre, c'est ça? Un petit peu d'informations qui vous pouvez communiquer avec nous. Tout ce que vous pouvez dire, nous faisons une rencontre avec le Premier ministre, parce qu'il fait un paquet logistique bien mis en place et vous rassure la population en général que Navin Ramgoulam se porte bien. Et le tout, c'est qu'il par précaution qui ne peut faire des marches pour qu'il y aille à l'étranger. Merci. Et ça peut faire aujourd'hui même. Merci. Voilà, c'était le docteur Farhad Omir, docteur Zubair Jumaï, en direct au défi média. Il faut plus de 10 000 personnes, Beguetou. Un petit déclaration sur le déplacement du Premier ministre. Il ne fait qu'assister la visite du Premier ministre à la clinique Welkin, en compagnie du docteur Jagatpal, le ministre de la Santé, pour enquérir au niveau de la situation de la santé du docteur Navin Ramgoulam, l'ancien Premier ministre. Et donc, finalement, une interaction entre l'équipe médicale et le Premier ministre et le ministre de la Santé. Et nous poursuivons un développement de près et jusqu'à ce que le Premier ministre informe l'équipe médicale que le gouvernement fait le nécessaire pour organiser le transfert du docteur Navin Ramgoulam en Inde. Quand? Et nous attendons l'organisation du vol, mais le gouvernement fait tout le nécessaire et finit organise tout. Sa possibilité là, c'est aujourd'hui même ou bien demain? Donc, même possible qu'il y ait dans la nuit ou demain matin. Est-ce que le Premier ministre a converse avec Namin Ramgoulam? Non, l'interaction finit faire avec l'équipe médicale, puisque, comme nous tous connaissons, Dr Namin Ramgoulam, il y a une patient Covid positive, donc qui est en isolation. Et donc, c'est seulement l'équipe médicale qui a interagi avec lui. Donc, le Premier ministre il tenir à apporter ce soutien à l'équipe médicale et à travers un représentant de la famille, étendre ce soutien à la famille aussi. Une des précisions, un jet privé là, est venu là pour une communication officielle de l'équipe médicale. D'accord. Merci. D'accord. Voilà. Un petit peu d'éclaircissement avec le docteur Zubair Jumaï enfin. Le Premier ministre Pravin Jugnauth gagne un contact direct avec l'ancien Premier ministre Navin Ramgoulam. C'est plutôt avec ce médecin qu'il gagne contact. Et c'est à travers ce médecin qu'il gagne un update sur l'état de santé de Navin Ramgoulam. On a les deux députés du Parti Travailliste, Shakil Mohamed et Orvin Boulel, en direct avec nous sur la page defimedia.info. Tout d'abord, on nous cause avec un docteur, après nous cause avec l'avocat Shakil Mohamed. Docteur Orvin Boulel, ou fin faire le déplacement, ou fin gagner contact, ou à cause avec Namin Ramgoulam, bien avec ce médecin. Non, l'essentiel, c'est une très bonne réunion avec les autorités du gouvernement, le Premier ministre, là. Les choses se bougent très bien. Tout à l'heure, quand avion l'aide pour une réunion entre les médecins, et après la décision, on peut prendre sans aucun problème. Et docteur Ramgoulam, bien sûr, demain matin. Demain matin, Léa, bien sûr, lui parle d'un centre très spécialisé et nous confions que tout pour déroule très très bien. Bien sûr, sur l'état de santé. Mon point contre lui, mais dit bien. D'après bonne information dans le médecin, très bien. Correct, les choses parlent bien. Satisfait avec les organisations qui satisfait finir. Avec le soin qui le médecin donné. Nous, camarades de Mienland, surveillent la situation de près. Au contraire, le médecin fait un travail formidable. Docteur Ramgoulam, bien sûr, moral bon. OK, et bien le gouvernement, hein, il donne le soutien qu'il a besoin, nous fait un suivi. Là, Shakil est allé pour contact. Une fois l'avion arrivé, il pour mettre les médecins, hein, le medical team en contact. Et après, session interactive qui pourrait là, à la lumière aussi, session à travers vidéoconferencing qui fait directement le camarade All India Medical Institute,
avec la prière qu'il nous peut faire, tout pour bien dérouler. Un mot le rencontre de Pravin Jagnat avec le médecin, où tu es ensemble? Oui, ça va, ça me passe très bien. Les choses, oui, ok, parce qu'il ici, par exemple, tout le monde, il est qui nous agit bien vite et les choses parlent très vite, ok? Satisfait, merci. Shakil Mohamed, bonjour. Nous trouvons une présence ici aujourd'hui en présence du Premier ministre Pravin Jagnat qui nous rend une visite à Navin Ramgoulam, ce médecin qui est là comme détail car de nous sa visite là et l'état de santé de Navin Ramgoulam. Je n'ai pas gagné l'occasion de joindre le docteur Navin Ramgoulam, mais ce qui m'a fait apprendre, c'est que il est fort, très courageux. Et allons dire que très fort moralement, hein, pourquoi tout le monde connaît que Navin Ramgoulam tout le temps finit montrer une certaine qualité, une bonne qualité qui vraiment finit impressionnement tout le temps, c'est la force morale qu'il y en a là. Et cela aide beaucoup dans les circonstances pareilles. Alors, vous pensez comment il finit faire cette déclaration lui-même dit, sur la vie des médecins, malgré qu'il. Il est fort, comme on dit, il trouve qu'il est nécessaire pour une raison de précaution pour aller dans un endroit qui est spécialisé dans la chose. Alors, moi, je pensais que la réunion qui finit à lieu, il montrait une collaboration avec les autorités du gouvernement, il montrait une collaboration de la part du PME et aussi de tout du monde que le Premier ministre finit délégué. Nous, beaucoup de camarades du parti finent d'un soutien indéfectible. Nous finons ici trouvent l'avion nécessaire et nous finons communiquer ce détail-là au PMO pour qu'il est capable de faire le nécessaire auprès du Department of Civil Aviation. Alors tout se fait et tout s'accélère et tout se fait comme exactement planifié et pour qui maintenant. Le leader du parti travailliste capable de gagner le support et le soutien nécessaire au point de vue médical et c'est ça qui est plus important. Est-ce qu'il vous finit joindre le docteur Navin Ramgoulam? C'était pas ça mon objectif. Mon objectif, moi, c'était ensemble avec les autres camarades, mes collègues du parti qui finent en contact permanent, nous tous, les députés, sans aucune exception de tout. Fin consulter chacun de nos camarades depuis fort tard. Nous fin poule ensemble nos bonnes ressources et nos bonnes connaissances pour qu'ils nous capables aider avec les milliers et des milliers de partisans qui attendent pour que le docteur Ramgoulam capable revienne parmi nous plus fort que jamais. Voilà. Vous n'avez aucune précision sur l'heure du vol finalement? Ce qui m'a fini à apprendre, moi, c'est que tout ne commence à enclencher. Si tout se passe bien, le docteur Dumas pourrait communiquer le flight detail dans les heures qui suivent. L'heure qui suit. Et vous communiquez cela à l'équipe médicale ici. Moi, je peux faire la liaison entre l'équipe médicale du vol et l'équipe médicale d'ici, à Welkin. Et then we'll let the experts take over. And nous, nous simplement wish the best à tout, wish the best à Dr Ramgoulam et que les choses se passent bien. Mais dans quel état qui avion qui flight? Honnêtement, mon peine à les détails, mais c'est pas pour être méchant. Il y a certains éléments d'information qui m'ont pour communiquer, il y en a d'autres. Même si moi c'est un détail, moi je peux communiquer sans qu'il m'obtienne la permission de ceux qui sont concernés. On a une cellule en place pour communiquer nous l'état de santé de Navin Ramgoulam quand il peut en être. Cela me laisse lier avec ses médecins et les experts. Moi simplement, je peux venir pour aider comme quelqu'un qui, comme tant de milliers de personnes qui ont envie que les choses s'arrangent. Et je suis content que les choses peuvent commencer dans la bonne direction, on peut faire les efforts nécessaires. Et les résultats, j'espère, vont être très positifs. Je n'ai aucun doute pour là. Shakil Mohamed, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée.